tout le monde, c'est André, on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai montré comment faire pour installer un pack de ressources sur Minecraft Java sur Windows 11 PC. C'est parti. Voilà, donc premièrement ce qu'on veut c'est un pack de ressources déjà, comme ça on va pouvoir l'installer dans notre Minecraft, voilà. Donc pour cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour télécharger un pack de ressources, donc j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, donc vous allez vous retrouver sur ce site si vous cliquez sur le lien. Donc là pour cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour télécharger Faithful 39x32. Donc Faithful 39x32 c'est quoi? C'est un pack de ressources, regardez, qui est assez similaire au pack de ressources de base. Donc regardez, ça c'est Minecraft par défaut. Et ça, c'est le pack Faithful 39x32. Vous voyez, c'est assez similaire au pack de base, sauf que c'est un peu mieux, voilà. Donc, pour l'installer et pour le télécharger, vous scrollez en bas ici. Vous cliquez sur la version de Minecraft que vous avez. Moi, personnellement, j'ai la version 1.19 de Minecraft. Voilà, vous cliquez dessus pour le télécharger. Hop, ça va faire ça. Et là, en fait, vous allez cliquer sur ça. Vous attendez que ça se télécharge. Vous mettez votre fenêtre comme ça, là. Voilà, ça s'est téléchargé. Donc là, on va aller dans Minecraft. On va mettre Minecraft de côté. Pardon. Vous cliquez sur options, pack de ressources, ouvrir les dossiers, le dossier des packs. Hop, ça va ouvrir le dossier des packs, logique. Et là en fait, hop, j'ai déjà fait, hop. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez en fait glisser ce que vous venez de télécharger, vous glissez dans le dossier des ressources packs de Minecraft. Et là en fait, vous avez installé votre texture pack. Donc là vous pouvez fermer ça, vous pouvez fermer ça. Et là maintenant regardez, vous allez voir Faithful 39x32. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer sur ça. Comme ça c'est à droite sélectionné, vous voyez. Voilà, c'est sélectionné. Et vous cliquez sur terminer. Et en fait là ça va appliquer le texture pack à votre jeu. Et là voilà, terminé, solo. Et là on va voir si ça a fonctionné. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas Minecraft de base. Là j'ai le Faithful pack, tout est plus lisse, tout est plus beau. Et voilà. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos. Et on se retrouve pour une nouvelle fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace.